Ça, t'expliques ça comment, une résistance? La vie est résistance. La vie est... Tu sais, on apprend des... on apprend par résistance. On prend tout le monde qui vont écouter. Toi, dans ta vie. Ouais. Notre ami Martin, moi, ma femme, mes enfants. Ça prend des résistances pour avoir un éveil de conscience tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si la conscience est éveillée, il n'aurait pas de résistance. À ce point-là, elle serait pas là, elle serait ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc, pense, tu sais, souvent, je donne un exemple. Quand on accouche d'un enfant, mais s'il n'y a pas de résistance, on n'aura jamais l'enfant, on n'aura jamais le cadeau. Moi, c'est le burn-out. Moi, c'est les coups de barre, mettons, dans mon corps. Ça a été la faillite. Si c'est passé quelque chose, là, pour te brasser. C'est des points pivots. Ouais, ouais, ouais. Il faut que cette résistance-là, on arrive à dire, c'est OK, on s'accueille au travers de tout ça. Voici ce que je fais comme expérience. C'est pas moi. C'est ce que je fais comme expérience. Cela aussi changera. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas la résistance. Je ne suis pas des problèmes financiers. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de confiance. Je ne suis pas quelqu'un qui est gros. Je ne suis pas quelqu'un qui a de la misère à bouger. J'expérimente ça en ce moment et cela aussi changera. Maintenant, qu'est-ce que je fais?